Mais à où t'es la fifine? Elle est en retard aujourd'hui. Que se passe? Non, mais regardez, monsieur Buniga, elle arrive. Allô? Oula, elle s'est mise au portable. Allô? Ça alors? Ouais, je Allô? Sais, monsieur Roger, mais c'est sa fille qui lui a acheté pour pouvoir la joindre tout le temps. Mais une rodette. Ah, avez-vous, Bugnax? Mais, allô? Allô? Non, mais allô, quoi? Tu es catalan et tu n'as pas d'aïoli? Allô? Je sais pas, me sentes ou quê? Allô? Non, mais allô, quoi? Fais une cargoulade et tu n'as pas d'aïoli? Mais c'est comme si je te disais, tu es catalan et tu n'as pas de cargoles. Ça me dit quelque chose, si cette conversation, monsieur Roger. Oui, monsieur Buniga, ça vous fait penser à Nabila Achpari. Ah, voilà, c'est ça, monsieur Roger. On la voit à longueur de journée à la télévision. La belle brune avec la grosse poitrine, hein, qui parle de shampoing. Allez, dès que j'ai le dos tourné, vous parlez de toutounes, de couls et de donnes. C'est bien les hommes, ça, t'es. On parle de Nabila, même fifine. La belle brune des anges de la télé-réalité. Reconnaissez qu'elle a un généreux décolleté. Oh, vous m'auriez vu à 20 ans, monsieur Roger. Moi aussi, j'avais une belle pitrère. Et moi, c'était naturel. D'ailleurs, c'est pour ça que mon homme m'a demandé un mariage. C'est vrai, même fifine. Nabila reconnaît que ses seins sont refaits. Mais le problème des belles têtes, c'est qu'à mon âge, ça tombe. T'es espié au choc. Quel désastre. Bah oui, il y a une justice. Le petit vénard qui va épouser Nabila pour sa belle poitrine, à notre âge, c'est lui qui sera refait.